Les aventures de Madia l'abeille. Au secours ! Curieuse, intrépide, enthousiaste, c'est Madia. Et savant, c'est Flip, la sauterelle. Rome ne le fait pas faire dans le jour, et parfois, il faut reculer pour mieux sauter. Madia ! Sévère. Je ne peux pas passer tout mon temps avec... Juste, mais vigilante, c'est Cassandre, l'institutrice. Elle est par-dessus la tête de cet enfant. Elle est absolument insupportable. Hypocrite. Et méchante. Jamais nous ne mangeons d'abeilles, jamais... C'est Frog, la grenouille. L'enfant s'en tourne là. Puissant et grenouille au grand cœur, c'est Kurt le scarabée. Je suis une cétoine dorée, ce qui veut dire que je fais partie de la famille la plus noble des insectes. Si je suis satisfait... Cruel et rusé, déclat l'araignée. Deux possibilités, c'est bouffer ou être... Autoritaire et rigoureux, le colonel des fourmis. Je ne peux pas exposer tout le monde pour en sauver un seul. Dans un tourbillon de joie et de danger, bons, méchants, amis, ennemis, tous partagent le même royaume, le royaume de Madia l'abeille. Surtout pour moi, car j'en serai le héros involontaire. Je vais tomber dans la gueule béante d'une plante carnivore qu'on appelle Sabre de Phénus. Vous voyez ça d'ici? Je suis dedans et j'ai beau être fort comme 10 sautades réunies, les taux se referment sur moi. Il n'est pas question de m'en tirer tout seul. Mes amis Maya et Willy, à part me tenir comme des sourds, n'y peuvent pas grand chose. Et pourtant, je vais m'en sortir. Comment? Thank you.
savez pas ce qui nous arrive. Maya a été faite prisonnière par un frelon. Eh oui, c'est affreux. Mais en prison, elle fait la connaissance d'une coccinelle qui lui raconte une histoire passionnante. Quand on est prisonnière d'un frelon, on n'a que faire d'histoires, aussi passionnantes soient-elles. À moins qu'il ne s'agisse d'une histoire d'évasion. Hein ?